c'est une plaque de verre qui est neuve, ça serait bon de la d'en mettre un peu comme ça. Ça se récupère, hein, en fait. Ah, oui. Une fois que l'eau est évaporée, tu récupères ça. Je vais m'approcher, mais oui, je suis pas sûre. Tu mets un peu d'eau. Ah, comment dire ça? Un volcan. Un volcan. Un bon, mais l'huile dedans. Puis là, on fait juste mouiller. On ne broie pas avec la molette. Là, on va juste mouiller le pigment. Juste comme le mélanger un peu. Ouais. Pourquoi il est pas bon? Trop ou peu? Ben, il n'y a pas assez d'huile. On va voir. Là, on n'a pas trop peur parce qu'on l'a mesuré d'avance. Mais je veux dire, si j'avais une quantité d'huile et que j'y vais jusqu'à à l'œil, je pourrais dépasser à un moment donné. Mais... Fait que là, on met vraiment la charge après. Oui. Tu broies un peu ta couleur. Parce que, de toute façon, tu mets la charge, l'extendeur, pour faciliter le broyage. Fait que finalement, c'était pas si mal, la quantité? C'était 2.2, hein? 2.2. De nos jours. Ben, le compte, c'est 2.1. Mais lui, c'était pas. C'est 2.2. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Une partie. Ouais. C'est bien, mon truc. Ben, c'était oui. Un bout. Ben, ouais. Si t'étais pas plus tard, ouais. Je pensais que c'était plus. Avant, ces tubes-là, ils voyaient la couleur, puis ils mettaient ça dans des vessies. Hein? D'animaux? Oui. Ils broyaient. Ils broyaient les couleurs, ouais, il n'y avait pas de tube. De... Ah, il n'y avait pas de tube. Ils mettaient ça dans les vessies comme un des tube vessies, de... comme des saucisses. Ah, ouais. Ils suspendaient ça. C'est ouais. Broyé, ouais, homogène. C'est sûr que c'est un peu sec, là, dans ce cas-ci. Fait que là, l'écraser. Alors, tu vois pourquoi la hauteur de la table de travail n'est pas adéquate, là, parce qu'il faudrait vraiment... que je sois au-dessus. Allô! À force de broyer, d'un coup, ouais, ça devient chaud aussi, j'imagine que ça s'active. Tout c'est organique, je sais pas si... Je vais le séparer. Voilà. Tu vois, on voit qu'il y a de l'huile qui sort. Ça veut dire que... Fait que ça va être prêt. Non, je la sépare pour que ce soit plus facile. Tu fais par petite quantité à la fois. Puis à mesure, tu réunis tout ça. Donc. S'il y en a une des deux que j'ai essayé, je lève un peu. Pour
comme le gratter. Pour l'envoyer comme ça. Même chose pour revenir. Quand c'est assez malléable, ben là tu fais des vitres puis des. Pour l'instant, tu peux juste aller comme ça. Faire comme tout le monde en parle, moi tout arrangé ça au montage. Même, je rajouterais pas de l'huile, mais je le broierais encore un peu, plutôt que là. Les pinces à tableau, on replie. Les outils, ça fait avec le suit-tout. À sec.
finis, papier, tout ce qui sert, qui est venu en contact avec l'huile de lin, qui sont disposés dans un contenant avec de l'eau. Donc on met de l'eau et on dispose du papier dans ce contenant imbibé d'eau pour éviter que l'oxygène provoque une réaction d'autocombustion. Autocombustion. Utilisé en lithographie pour refaire le grain des cartes. Il en existe de différentes hauteurs. Nope.